مس بو بوزي دي مز مرات مستعد غف القديش يجت فقط بدأت تخدم من ذي في جيث Alors, aïni nakhdem zif gayef, c'est la chose suivante. Il y a une crise planétaire qui est celle du coronavirus qui va toucher toute la planète entière. On s'est dit, il y a deux façons de faire. Soit on va tourner le dos au problème, soit il faut affronter le problème. Il y a un comité qui s'appelle comité Stop Covid-19 Béjaïa qui est créé, qui se veut comme un instrument au service de ceux qui sont en première ligne, à savoir le personnel médical et la protection civile. Il se veut un instrument de conscientisation et de sensibilisation de la population. L'essentiel, dans un premier temps, c'est de gagner la bataille de l'opinion, de faire en sorte que la population ne cède pas à la panique et à la psychose, de se dire que c'est un combat inévitable. Le coronavirus a dit, on se met à la nerveux de l'Est. Je suis qu'un, nous avons un hader, ou un aïwen. Il y a des gens qui les médecins, les infirmiers, et un aïwen par des gestes très simples, en restant par exemple chez toi. Donc, ce comité, il a deux porte-parole, le docteur Mokhtar Bouchfa, celui qui a lu la déclaration à la naissance du comité, et Mourad Bouzidi, moi-même, qui est porte-parole de ce comité. L'idée, c'est de réunir les conditions d'une solidarité au niveau de la wilaya, et j'invite toutes les autres wilayas à faire de même, entre les acteurs de la santé, qui sont exposés en première ligne à Kemal, et les industriels, les militants de la société civile, pour créer un réseau d'associations qui va nous aider pour la distribution vers tous les secteurs de santé, pour tous les centres de santé, des moyens élémentaires, Iwakin, Ifermilien, Iwakin, Topaz, El Hussein Belien, ils ont un soutien. Le plus important aujourd'hui, c'est de soutenir et de rassurer les médecins qui sont en première ligne. ماس بوزيدي غاس باساكي قارن دي ام جايين قيم في الخام الاول شتا غادا نخدم كون وين غدا شتا تخمم ذك وانا خاطر اس باساكي دير اين سوثوني مدانا سي الكونفينمون ذاك اللي تقيمني مدانا ذك خام نسون وتسفغنا راه غار فارا الور الور اكتيني راه كمان يفو فوار سور لي ريزو سوسيو لي سونيت دالار كي سون تيري بار جوستومون لي ميدسان لي انترفيو يفو لور دوني لو مينيموم دو موان. Déjà, nous connaissons en tant que comité Etnaïwen, après il faut une bataille d'opinion. Il m'a rassuré de faire guerre. Il m'a rassuré de faire des choses, il m'a rassuré de postal. Ou il m'a rassuré de faire des choses. Les médecins, ils m'ont rassuré de faire des choses, un travail de sensibilisation. C'est à la société civile, c'est à des comités, comme celui que nous avons créé, de faire le travail de sensibilisation. Ça, c'est pour la sensibilisation. En même temps, voir, et c'est ce que nous avons déjà commencé, je tiens à saluer la disponibilité à nous aider de Kondia Chinle, de Cévital, de Ramdé, de Général Emballage et d'autres pharmacies qui sont prêts à nous aider pour mettre à la disposition des personnels de la santé les moyens nécessaires, élémentaires, pour affronter cette crise. Donc il y a Mokhle Kemal. Il y a un travail vis-à-vis de l'opinion. Il faut gagner la bataille de l'opinion. Sinon, il faut rester chez soi. Il faut protéger les personnes âgées. Il faut protéger les personnes âgées. Et oui, ainsi bas le HDKIF, il faut qu'il soit confiné. Varan, et oui, donc ça c'est un travail de conscientisation, de sensibilisation en direction de la population. Il faut gagner cette bataille de l'opinion. Concrètement, qui est l'autre diminuant de Gwener, concrètement? Alors, nous allons lancer des affiches déjà que nous allons afficher dans tous les endroits recevant du public. Vous voyez, c'est la première opération. Nous allons essayer de réunir des stocks de blouses, de gants, de bavettes et de gel hydraulique. Alhamdoulilah, pour ce qui est de la solution du gel hydraulique,
il y a des industriels qui sont capables de les fabriquer et les mettre à la disposition des médecins. Donc, comme il y a deux axes de travail. Pousser la population à rester confinée, il y a un risque de contamination, en même temps, aider les personnels de la santé, les médecins, les infirmiers, qui sont en première ligne, il y a des moyens élémentaires. Il y a des médecins qui n'ont pas d'état. On n'a même pas le minimum pour se protéger. Un médecin qui ne peut pas se protéger, il va automatiquement devenir contaminé. Et ça, c'est contre-productif. Il est indispensable de protéger ceux qui sont déjà en première ligne. Ça, c'est très important. Alors, est-ce que tu jemmes de quoi tu te les médecins, quand tu as quelqu'un, parce que nous, tu l'as dans ce siège de la PUC, de l'administration, siège de la société civile, même qui l'a cadré le crédit, et là, l'objectif à dire, on a ici, on a dit, 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 le pouvoir, il est inaudible dans sa communication et stérile dans son action. Je guide le problème. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont été en train de se faire. C'est le docteur, c'est le médecin. C'est pour ça que nous avons fait en sorte que les médecins soient, que ceux qui sont en première ligne, soient ceux qui vont conduire ce comité. Ce comité, il n'est pas là en concurrence avec les cellules de crise existantes. Dans le secteur de la santé. Ce comité, il est là comme un support, un soutien aux cellules de crise existantes. Nous connaissons Naïwen, mais là, la cellule de crise, nous connaissons des bavettes, nous connaissons un siwil, on va sensibiliser les industriels pour qu'ils mettent le maximum possible. Peut-être, pourquoi pas, équiper avec des respirateurs, là où c'est possible. Donc, c'est un travail qui va être en appui, qui vient en appui en direction des cellules existantes. Secteur de la santé. Il y a quand les médecins, eux-mêmes, il y a 3 ans, ils ont été matraqués au moment où ils ont soulevé l'état catastrophique de la santé en Algérie. Sur cette suite, elle a surpris tout le monde. Donc, il y a deux façons de faire. La meilleure façon, c'est de faire en sorte que la population affronte le coronavirus la solidarité entre nous, Donc, je dois dire le principe. Il faut rester chez soi pour minimiser, briser la chaîne de transmission du virus. La meilleure façon pour le briser, c'est de rester chez soi. Donc, c'est un comité de Gateville. Les comités de village, les scabots de Toudré, des comités de crise, dans des cellules de crise, ou tu as choisi de faire ou tu as choisi de faire des choses. Alors, Zara Kamel, nous connaissons, on va faire appel à toute la société civile et à toutes les associations, particulièrement celles qui actives déjà dans le domaine de la santé, d'aide aux handicapés, ainsi de suite. Tout ce réseau d'associations doit, on l'invite, on lance un appel, c'est un cri d'alarme. Il faut s'associer à ce comité COVID-19 qui réunit beaucoup de médecins à Béjaïa. C'est des médecins de Knekaron respectés et respectables. Il ne s'agit pas de renoncer à la révolution, il s'agit de l'adapter à une situation de crise et de montrer que le peuple algérien qui a pu être pacifique pendant un an, qui a forcé l'admiration du monde entier, peut se prendre en charge et faire face à une telle crise. Effectivement, notre souci, c'est de s'appuyer sur le réseau d'associations au niveau de la wilaya, de faire d'abord un travail de recensement d'informations. Nous voulons savoir quel est l'effectif réel du secteur de la santé, du secteur de la protection civile et du SAMU,
et les secteurs qui sont en première ligne. La santé, nous n'y sommes pas malades, le SAMU et la protection civile, nous n'y sommes pas malades, et nous n'y Donc, il y a une série d'effectifs à gagner, et nous n'y les stocks nécessaires, avec les industriels, avec les personnalités, les personnes de bonne volonté, et avec un cavel, ça se fait. Notre devoir de citoyen Kamal nous interpelle et nous interdit de rester insensibles et indifférents à ce problème. Appel à le comité COVID-19, je tire la sonnette d'alarme, lance un appel à toute la corporation médicale, c'est les industriels, c'est les universitaires, c'est les avocats et c'est les cadres de l'État. Et où est-ce un maouad et où est-ce un qu'avez yertes sur cette terre de Nakafilana, Inch'Allah, c'est ce qu'on appelle. تنمير ثم قرنت مس مراد بزيدين تنمير ثم قرنت أنا ثيك مرة إمجين كثنيض إلى قنيد غريديس إمجين حوجن أتفن ريديس إنسان وكذا أنا ثيك أم حاجة ثم زورت كيف غان إمجين بس ذاك إم ذا نتقي من تصدق خم نسن وثن جنات خم نخدي نسن ماذا قلنا تسوي لثي الخصاص أكيد ولا من سوسيتي سيفيل ولا ذن ثنيغ ما ذي زندستريال نندك نيغ قلع ذا قيغ في كنفوس نتلتي وكنا دعونا أشي الخصاص يقلا إمجين بس وزغ بس هذا والكلام أكمل تنمير في يبربرتي في زرار ما صرتيه سلايك دا مورا دو حاث ما سادة والتقارة ثم صبت غورك سوال تقارة لي كونسين ريستي شي سوا سوف نسيسيتي لابي ريجوليرمون لي مان avec du savon توسي et éternuer dans le creux du coude limiter les visites éviter les visites et les regroupements utiliser les mouchoirs en papier les jeter dans des poubelles fermées respecter les distances entre personnes de moins un mètre Suivez les informations quotidiennes. Ça va faire la télévision. Ne pas prendre les médicaments anti-inflammatoires sans avis médical. Si vous le et le numéro vert 3030. Si vous le dites, ça me fait une année de guérison. 034 11 13 36 en cas de fièvre, de toux ou surtout de difficultés respiratoires. ثان ميرتك يا مالي بربرتي في وين تخدمن ثان ميرتك شتاعم جاك لهنا ثان ميرتك ثم قرنتي مس مراد بوزيدي ثان ميرتك ثم قرنتي أنا تيك في القضية شبكي خدمة